Des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonné s'étant rendus de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur apparaient et annonçaient qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils lui ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, et il expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, les jours et sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut de devant d'eux. Amen. La parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le dernier 7e de l'année de la visitation, l'année 2016. Dans quelques jours, nous allons clôturer cette année. Cette année, c'était une année émouvante, avec de la puissance
et de la gloire de Dieu. Dieu nous a visité chacun de nous. Si toi tu n'étais pas encore visité, je te dis encore ce matin, ne perds pas ta foi, Dieu te visitera encore. Amen. Cette année ne va pas finir comme ça pour toi. Le Dieu qui a commencé avec nous et qui va terminer cette année avec nous, avant que nous traversions sur l'autre bord, avant que nous allons dans l'année qui suit, tu vas voir aussi la main de Dieu. Mais je vais te dire seulement, pour que tu vois dans tes propres yeux, il faut que le Seigneur ouvre tes yeux. Peut-être que si tu ne vois pas la visitation de Dieu, parce que tu es encore aveugle, tes yeux sont encore fermés. Comme ces disciples sur le chemin de Maus, qu'ils marchaient avec Jésus, qu'ils parlaient avec Jésus, qu'ils discutaient avec Jésus, mais ils ne voyaient pas Jésus. Ils ne reconnaissaient pas Jésus parce qu'ils étaient aveugles. Ils avaient seulement des yeux physiques pour regarder. Nous avons des yeux physiques pour regarder, mais non pour voir. Alors, c'était le soir. Quand le soir est venu, ils ont préparé les repas. Jésus a pris le pain, il a rendu grâce et il a donné à ses deux disciples. La Bible déclare à cet instant-là, les yeux s'ouvrirent. Ils ont maintenant vu clair. Mais tout ce temps que nous avons marché avec lui, tout ce temps que nous avons discuté avec lui, il était là à côté de nous. Bien-aimé, si toi aussi tes yeux seront ouverts ce matin, tu vas voir que depuis le 1er janvier, Dieu était déjà à côté de toi. Amen. Tu vas voir déjà que toute cette année, tu marchais avec Dieu, tu mangeais avec Dieu, tu vivais avec Dieu, mais tu ne voyais pas parce que tu étais encore avec. Leurs yeux étaient ouverts quand Jésus a rompu le pain. Quand Jésus a partagé le pain avec eux. Bien-aimés, cette scène ouvre les yeux des chrétiens. Voilà pourquoi qu'un chrétien qui ne participe pas à la table du Seigneur, il est encore aveugle. Ses yeux sont encore fermés. Il a encore des yeux seulement pour regarder. Mais il n'a pas des yeux pour voir. Regarder, c'est autre chose. Tu peux regarder. Comme je suis devant vous, vous me regardez. Mais peut-être que vous ne me voyez pas. Jésus dit que vous êtes encore des aveugles. Vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez rien. Ils avaient des yeux pour voir. Jésus était avec eux. Ils marchaient avec Jésus. Mais comme les yeux spirituels étaient encore fermés, comme les yeux de l'esprit étaient encore fermés, ils ne comprenaient pas qu'il était avec Jésus. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tu dis, les autres témoignent, les autres voient. J'entends ceci, j'entends cela. Mais pourquoi moi je ne vois pas cela? Jésus n'est pas loin de toi. Il est toujours près de toi. Il marche avec toi. Il dort avec toi. Mais parce que toi tu n'as pas encore des yeux pour voir. Alléluia. Mais je vais te dire, bien aimé, même si les yeux physiques n'ont pas encore vu, ce matin les yeux spirituels seront ouverts et tu verras la visitation de Jésus dans ta vie. Amen. Amen. Lève-nous, nous allons partager le pain et le corps de mon Seigneur. Et que ce pain soit sous la puissance du Saint-Esprit. Quiconque, Seigneur, mangera ce pain, que sa vie change. Quiconque mangera ce pain, que la visitation de Jésus, comme tu
tu as visité ces deux disciples sur le chemin de Maus, Seigneur, visite aussi ton église. Avant que cette année s'arrête, nous voulons des témoignages dans ce lieu. Nous voulons la gloire descendre. La gloire qui était partie, qui revienne dans la vie de ton peuple. Pour que nous puissions confesser et témoigner que toi tu es le Seigneur. Amen. Il prit la coupe et rendit grâce encore et donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous et pour la rémission de vos péchés. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as donné ton sang. Le sang a été versé sur la croix pour nos péchés, afin que nous qui étions pécheurs, toi tu as pris notre place. Tu te fais malédiction pour que nous, nous devenons bénédiction. Seigneur, que ce sang que nous allons partager soit vraiment le sang de la bénédiction pour cette année de la visitation, Seigneur. Visite ton église et visite ce peuple, Père, afin que ta main puissante, Seigneur, soit dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. De Jésus. Thank you.
le Seigneur pour être ça. Toujours dans la visitation sur notre grand thème, le chef de Jacob. Et sur cet enseignement, le chef de Jacob, nous avons 12 marches et nous sommes déjà arrivés à 8e marche. Aujourd'hui, nous allons voir la 9e marche. On a parlé déjà des 8 marches. La première marche, on avait parlé, c'était la repentance. Après la repentance, vient le baptême d'eau. Après le baptême de l'Esprit, et vient la communion fraternelle, la communion de l'Esprit, la crainte de Dieu, et on avait vu aussi la prière. Et le dimanche dernier, on avait vu sur l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 9e marche pour terminer cette année. Je crois que Dieu nous fera grâce vraiment de terminer les 12 marches d'ici avant le 31 décembre. La 9e marche que nous allons parler aujourd'hui, c'est la délivrance. Le temps de la délivrance. Bien-aimé, le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé dans ta vie. Parce que tu as monté. Tu as monté les 8 premières marches. Je vous avais dit que les 7 premières marches, parce que sur cette chaîne qui représente Jésus, la partie bas de l'échelle, représente la vie terrestre ou la vie humaine de Jésus. Mais la partie en haut représente la divinité ou la vie céleste de Jésus. Alors, à partir de 7e marche, on était en bas et à partir de 8e, on a monté. On commence maintenant à toucher les choses spirituelles. Parce que quelqu'un qui vient dans le Seigneur, la première des choses pour venir dans le Seigneur, on t'amène à la repentance. On avait parlé de la repentance. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, ne précipite pas à monter des échelons. Ne précipite pas à monter des étapes. Tu peux faire des années sur la première marche. Si tu vois que tu n'es pas encore vraiment repenti, la vraie repentance, parce que la repentance, c'était le message que Jean-Baptiste a apporté. La repentance, c'était le message que Jésus a prêché. La repentance, c'était le message que même les apôtres nous ont laissé. Mais on voit aujourd'hui, l'Église cherche à monter rapidement. Un chrétien cherche la délivrance. Un chrétien cherche le miracle. Un chrétien cherche la bénédiction. Mais bien-aimé, comment tu veux sauter pour aller jusqu'à la 9e marche, sans mettre ton pied sur la première marche? Fais attention à ta chute, parce que ta chute sera terrible. Il faut marcher, avancer pas à pas. La repentance, c'est le renoncement. La repentance, c'est le brisement. La repentance, c'est le dépouillement. La repentance, c'est pas la prière. Non, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que la repentance c'est la prière. Parce que j'ai péché, je viens à l'église, Seigneur j'ai péché, Seigneur pardonne-moi, Seigneur réponds. Non, la repentance c'est une décision, c'est un changement. Alléluia. La repentance c'est la décision que tu prends. Toi qui étais dans le péché, tu prends la décision, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini et je tourne la vie. Je laisse mon ancienne vie, comme Paul a dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.
C'est ça la repentance. Il y a bien la prière de la repentance. Mais la prière de la repentance n'amène pas à la repentance. Avant de faire la prière de la repentance, il faut que tu prennes vraiment la décision. Et ce n'est pas n'importe quelle décision, une décision radicale. Une décision ferme de changement. Parce qu'aujourd'hui, on voit les chrétiens. Tu es tombé dans le péché. Tu viens à l'église, tu confesses, tu demandes pardon. Demain, tu tombes encore. Tu viens à l'église, tu demandes pardon. Demain, tu viens, tu tombes. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu prends la décision, tu te confesses, tu te repens, tu te convertis. C'est une seule fois. Tu tournes les dos. On ne va plus te trouver dans ces choses-là. Parce que tu t'es repenti. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, race de vipères. Hypocrites. Nous sommes des hypocrites spirituels. Parce que nous sommes toujours dans les mêmes choses. Mais nous venons à l'église faire semblant. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais demain, tu es toujours dans la même chose. Non, bien-aimé. La vraie repentance, c'est quelqu'un qui prend la décision de changer la vie, de changer les côtés. Et cette personne-là qui s'est répandue, qui s'est repentie, pardon, et c'est cette personne qui entre dans l'eau. Il a fait la première marche de se repentir et il monte sur cette échelle de Jacob sur la deuxième marche d'entrer dans l'eau. Le baptême d'eau, on appelle ça le baptême de la repentance parce que j'ai pris ma décision. Je veux maintenant entrer dans l'eau pour que Jésus me lave de tous ses saletés, de tous ses péchés. Je vais entrer dans l'eau parce que quand tu entres au fond de l'eau, il n'y a pas de vie. Alors, quand tu entres, c'est comme quelqu'un qui est enseveli avec Jésus. En sautant, tu es purifié par cette eau de baptême. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est ça la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, quand Jésus est entré dans l'eau, et quand il sautait, une voix fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et une colombe est descendue. C'était la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il est entré dans l'eau, en sautant, le Saint-Esprit est descendu. C'est là que vient maintenant le baptême de l'Esprit. Tu es baptisé d'eau et tu arrives à la troisième marche, le baptême de l'Esprit vient. Et quand le baptême de l'Esprit vient, ce n'est plus toi qui conduis ta vie. Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais tes souliers, tu mettais ton pantalon et que maintenant tu es devenu vieux, une autre personne qui va te mettre tes chaussures, une autre personne qui va te conduire. Et cette autre personne-là, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, quand tu es baptisé, quand tu as reçu le Saint-Esprit, laisse maintenant le Saint-Esprit te conduire. Ce n'est plus à toi de prendre des décisions. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Comme Paul le dit dans le livre de Romains, dans le chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement fils de Dieu. Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et combien de chrétiens aujourd'hui dans nos églises sont conduits par l'Esprit de Dieu? Nous prenons nos propres décisions. Nous ne laissons plus l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as reçu les jours de ton baptême, le Saint-Esprit est attristé. Quand on dit que le Saint-Esprit est attristé à toi, cela veut dire que le Saint-Esprit ne trouve plus sa place. Il n'y a plus, tu étouffes l'Esprit de Dieu. Tu ne laisses plus le temps, la place à l'Esprit de Dieu d'agir. Voilà la vie chrétienne d'aujourd'hui. L'église est sortie à l'extérieur. Et le monde est entré à l'église. Les choses que nous avons besoin de voir à l'église, ce sont les choses que nous voyons aujourd'hui à l'extérieur. Et les choses que nous n'avons pas besoin de voir à l'extérieur, c'est ça que nous voyons ici à l'église. Le monde a confusion.
On a changé les cas. L'église est sortie. Et le monde est entré. Et si cette personne-là, que le Saint-Esprit conduit, c'est cette personne-là qui va marcher maintenant dans la crainte de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. La Bible dit la pensée de Dieu. La pensée de Dieu était plus profonde. Et l'homme intelligent qui doit aller épuiser. La pensée de Dieu est comme un puits d'eau très profond. Si tu veux connaître la pensée de Dieu, bien-aimé, c'est pas comme ça, en venant tous les jours à l'église, que tu vas connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? La Bible dit que c'est un puits d'eau très profond. Mais il faut avoir de l'intelligence pour aller chercher cette eau-là. Alléluia. Tu arrives dans un désert. Tu as soif. Tu veux boire. Et tu te trouves devant un puits. Et tu regardes sur ce puits-là, il y a de l'eau. Et tu as envie de boire. Qu'est-ce que tu vas faire pour puiser de l'eau? Il faut avoir de l'intelligence. Voilà l'homme spirituel. L'eau est là. Il dit que je suis la source. La source est d'eau qui donne la vie. Si quelqu'un a soif, je le donne de cette eau. Et s'il boit, il n'aura plus jamais soif. Et l'eau est là. Tu regardes sur ce puits profond. Tu vas au fond de ce puits. Il y a de l'eau. Mais je suis dans le désert. Qu'est-ce que je vais faire? Qui peut m'aider? Comment je peux aller chercher cette eau? Parce que la chaleur est très forte dans les 50, 40 degrés. Si tu ne bois pas, tu meurs. Mais l'eau est là. Et la mort aussi est là. Il faut faire quelque chose. Je ne vais pas mourir. Parce que la seule condition, il faut que je boive. C'est l'homme intelligent. La Bible dit c'est l'homme intelligent qui doit y épuiser. Qui va aller épuiser. Je dois réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Comment aller chercher cet homme? Et parce que le Saint-Esprit habite à moi, habite à toi, nous sommes appelés à vivre dans la communion fraternelle. Dans l'unité entre les frères. Comment nous disons que nous sommes des chrétiens spirituels? Mais entre nous, il y a des ennemis. Entre nous, nous ne parlons pas. Entre nous, nous ne saluons pas. Entre nous, il y a des confusions, des troubles, des disputes, des querelles. La communion fraternelle. La Bible dit dans l'église des apôtres, ils étaient tous unis d'un commun accord. La communion, il y a deux noms. Il y a commun et union. C'est ça qui fait la communion. Commun accord et union, c'est l'unité. Commun accord, ça veut dire que ta parole et ma parole marchent ensemble. Ta manière de marcher et ma façon de vivre et ensemble. Et c'est là que nous allons nous unir. Parce que la Bible dit même que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Nous ne pouvons pas marcher ensemble. Or que l'église et les dieux, nous sommes appelés à marcher ensemble. Voilà la vie de l'église et des apôtres. Et le corps de mon Seigneur. Et que ce pain soit sous la puissance du Saint-Esprit. Quiconque Seigneur mangera ce pain, que sa vie change. Quiconque mangera ce pain, que la visitation de Jésus, comme tu as visité ses deux disciples sur le chemin de Maus, Seigneur, visite aussi ton église. Avant que cette année s'arrête, nous voulons des témoignages dans ce lieu. Nous voulons la gloire descendre, la gloire qui était partie, qui revienne dans la vie de ton peuple. Pour que nous puissions confesser et témoigner que toi tu es le Seigneur. Amen.
Il prit la coupe et rendit grâce encore et donna à ses disciples de disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous et pour la rémission de vos péchés. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as donné ton sang. Le sang a été versé sur la croix pour nos péchés, afin que nous qui étions pécheurs, toi tu as pris notre place, tu te fais malédiction pour que nous devenons bénédiction. Seigneur, que ce sang que nous allons partager soit vraiment le sang de la bénédiction pour cette année de la visitation, Seigneur. Visite ton église, visite ce peuple, Père, afin que ta main puissante, Seigneur, soit dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. De Jésus. Toujours dans la visitation sur notre grand thème, le chef de Jacob. Et sur cet enseignement, le chef de Jacob, nous avons 12 marches et nous sommes déjà arrivés à 8e marche. Aujourd'hui, nous allons voir la 9e marche. On a parlé déjà des 8 marches. La première marche, on avait parlé, c'était la repentance. Après la repentance vient le baptême d'eau, après le baptême de l'esprit, et vient la communion fraternelle, la communion de l'esprit, la crainte de Dieu, et on avait vu aussi la prière,
Que le dimanche dernier, on avait vu sur l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 9e marche pour terminer cette année. Je crois que Dieu nous fera grâce comment de terminer les 12 marches d'ici avant le 31 décembre. La 9e marche que nous allons parler aujourd'hui, c'est la délivrance. Les temps de la délivrance. Bien-aimés, le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé dans ta vie. Parce que tu as monté. Tu as monté les 8 premières marches. Je vous avais dit que les 7 premières marches, parce que sur cette chaîne qui représente Jésus, la partie bas de l'échelle représente la vie terrestre ou la vie humaine de Jésus. Mais la partie en haut représente la divinité ou la vie céleste de Jésus. Alors, à partir de 7e marche, on était en bas. Et à partir de 8e, on a monté. On commence maintenant à toucher les choses spirituelles. Parce que quelqu'un qui vient dans le Seigneur, la première des choses est pour venir dans le Seigneur. On t'amène à la repentance. On avait parlé de la repentance. Bien aimé, dans la vie chrétienne, ne précipite pas à monter des échelons. Ne précipite pas à monter des étapes. Tu peux faire des années sur la première marche. Si tu vois que tu ne t'es pas encore vraiment repenti, la vraie repentance, parce que la repentance, c'était le message que Jean-Baptiste a apporté. La repentance, c'était le message que Jésus a prêché. La repentance, c'était le message que même les apôtres nous ont laissé. Mais on voit aujourd'hui, l'Église cherche à monter rapidement. Un chrétien cherche la délivrance. Un chrétien cherche le miracle. Un chrétien cherche la bénédiction. Mais bien aimé, comment tu veux sauter pour aller jusqu'à la 9e marche, sans mettre ton pied sur la première marche? Fais attention à ta chute, parce que ta chute sera terrible. Il faut marcher, avancer pas à pas. La repentance, c'est le renoncement. La repentance, c'est le brisement. La repentance, c'est le dépouillement. La repentance, c'est pas la prière. Non, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que la repentance, c'est la prière. Parce que j'ai péché, je viens à l'église, Seigneur, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, réponds. Non. La repentance, c'est une décision. C'est un changement. Alléluia. La repentance, c'est la décision que tu prends. Toi qui étais dans le péché, tu prends la décision, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini et je tourne la vie. Je laisse mon ancienne vie, comme Paul a dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la repentance. Il y a bien la prière de la repentance, mais la prière de la repentance n'amène pas à la repentance. Avant de faire la prière de la repentance, il faut que tu prennes vraiment la décision. Et ce n'est pas n'importe quelle décision, une décision radicale. Une décision ferme de changement. Parce qu'aujourd'hui, on voit les chrétiens. Tu es tombé dans le péché. Tu viens à l'église, tu confesses, tu demandes pardon. Demain, tu tombes encore. Tu viens à l'église, tu demandes pardon. Demain, tu viens, tu tombes. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu prends la décision, tu te confesses, tu te repens, tu te convertis. C'est une seule fois. Tu tournes le dos. On ne va plus te trouver dans ces choses-là. Parce que tu t'es repenti. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, race de vipères, hypocrites. Nous sommes des hypocrites spirituels. Parce que nous sommes toujours dans les mêmes choses. Mais nous venons à l'église faire semblant.
Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, pardonne-moi. Mais demain, tu es toujours dans la même chose. Non, bien-aimé. La vraie repentance, c'est quelqu'un qui prend la décision de changer la vie, de changer les côtés. Et cette personne-là qui s'est répandue, qui s'est répandue, pardon, et c'est cette personne qui entre dans l'eau. Il a fait la première marche de se repentir et il monte sur cette échelle de Jacob sur la deuxième marche d'entrer dans l'eau. Le baptême d'eau, on appelle ça le baptême de la repentance parce que j'ai pris ma décision. Je veux maintenant entrer dans l'eau pour que Jésus me lave de toutes ces saletés, de tous ces péchés. Je vais entrer dans l'eau parce que quand tu entres au fond de l'eau, il n'y a pas de vie. Alors, quand tu entres, c'est comme quelqu'un qui est enseveli avec Jésus. En sautant, tu es purifié par cette eau de baptême. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est ça la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, quand Jésus est entré dans l'eau, et quand il sautait, il voit, fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et une colombe est descendue. C'était la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il est entré dans l'eau, en sautant, le Saint-Esprit est descendu. C'est là que vient maintenant le baptême de l'Esprit. Tu es baptisé d'eau et tu arrives à la troisième marche, le baptême de l'Esprit vient. Et quand le baptême de l'Esprit vient, ce n'est plus toi qui conduis ta vie. Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais tes souliers, tu mettais ton pantalon et que maintenant tu es devenu vieux, une autre personne qui va te mettre tes chaussures, une autre personne qui va te conduire. Et cette autre personne-là, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, quand tu es baptisé, quand tu as reçu le Saint-Esprit, laisse maintenant le Saint-Esprit te conduire. Ce n'est plus à toi de prendre les décisions. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Comme Paul le dit dans le livre de Romains, dans le chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont réellement fils de Dieu, parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et combien de chrétiens aujourd'hui dans nos églises sont conduits par l'Esprit de Dieu? Nous prenons nos propres décisions. Nous ne laissons plus l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as reçu les jours de ton baptême, le Saint-Esprit est attristé. Quand on dit que le Saint-Esprit est attristé à toi, cela veut dire que le Saint-Esprit ne trouve plus sa place. Il n'y a plus, tu étouffes l'Esprit de Dieu. Tu ne laisses plus le temps, la place à l'Esprit de Dieu d'agir. Voilà la vie chrétienne d'aujourd'hui. L'église est sortie à l'extérieur. Et le monde est entré à l'église. Les choses que nous avons besoin de voir à l'église, c'est ça les choses que nous voyons aujourd'hui à l'extérieur. Et les choses que nous n'avons pas besoin de voir à l'extérieur, c'est ça que nous voyons ici à l'église. Le monde a confusion. On a changé les cas. L'église est sortie. Et le monde est entré. Et si cette personne-là, que le Saint-Esprit conduit, c'est cette personne-là qui va marcher maintenant dans la crainte de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. La Bible dit la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est un puits profond. Et l'homme intelligent qui doit aller y puiser. La pensée de Dieu est comme un puits d'eau très profond. Si tu veux connaître la pensée de Dieu, bien-aimé, c'est pas comme ça, en venant tous les jours à l'église, que tu vas connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? La Bible dit que c'est un puits d'eau très profond. Mais il faut avoir de l'intelligence pour aller chercher cette eau-là. Alléluia. Tu arrives dans un désert. Tu as soif. Tu veux boire. Et tu te trouves devant un puits. Et tu regardes si ce puits-là y a de l'eau. Et tu as envie de boire. Qu'est-ce que tu vas faire pour puiser de l'eau? Il faut avoir de l'intelligence.
Voilà l'homme spirituel. L'eau est là. Il dit que je suis la source. La source est d'eau qui donne la vie. Si quelqu'un a soif, je le donne de cette eau. Et s'il boit, il n'aura plus jamais soif. Et l'eau est là. Tu regardes sur ce puits profond. Tu vas au fond de ce puits. Il y a de l'eau. Mais je suis dans le désert. Qu'est-ce que je vais faire? Qui peut m'aider? Comment je peux aller chercher cette eau? Parce que la chaleur est plus forte dans les 50, 40 degrés. Si tu ne bois pas, tu meurs. Mais l'eau est là. Et la mort aussi est là. Il faut faire quelque chose. Je ne veux pas mourir. Parce que la seule condition, il faut que je boive. C'est l'homme intelligent. La Bible dit que c'est l'homme intelligent qui doit y épuiser. Qui va aller épuiser. Je dois réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Comment aller chercher cette eau? Et parce que le Saint-Esprit habite à moi, habite à toi, nous sommes appelés à vivre dans la communion fraternelle, dans l'unité entre les frères. Comment nous disons que nous sommes des chrétiens spirituels, mais entre nous il y a des ennemis, entre nous nous ne parlons pas, entre nous nous ne saluons pas, entre nous il y a des confusions, des troubles, des disputes, des querelles. La communion fraternelle, la Bible dit dans l'église des apôtres, ils étaient tous unis d'un commun accord. La communion, il y a deux noms. Il y a commun et union. C'est ça qui fait la communion. Commun accord et union, c'est l'unité. Commun accord, ça veut dire que ta parole et ma parole marchent ensemble. Ta manière de marcher et ma façon de vivre est ensemble. Et c'est là que nous allons nous unir. Parce que la Bible dit même que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Nous ne pouvons pas marcher ensemble. Or que l'église et les dieux, nous sommes appelés à marcher ensemble. Voilà la vie de l'église et des apôtres. Ils marchaient tous ensemble. Ils se connaissaient. Si je veux seulement faire un petit exercice ici à l'église, je ne vais pas le faire, mais si je vais le faire, de demander seulement à une personne qui peut me donner seulement 5 numéros de téléphone de ses frères et de ses ici à l'église. Peut-être qu'il n'y aura pas 2 ou 3 personnes qui ont les 5 numéros. J'ai le numéro de Maman Tété, j'ai le numéro de Frère Chira, j'ai le numéro de Papa Radel, j'ai le numéro d'Évangéliste. Il dit que moi j'ai 5 numéros, même 5 seulement. Mais si on te demande qui a le numéro de 5 personnes de reine, les gens de l'extérieur, vous avez même 10. Même 20. Mais tu viens à l'église, tu dis chrétien, tes frères et tes sœurs, tu n'as même pas le numéro. Qui a fait même dans cette année de la visitation, il a pris même son téléphone pour appeler même un frère ou une sœur de l'église. Aujourd'hui, le monde nous a donné des téléphones gratuits. Tu vas à Imo gratuit, Viber gratuit, tu vas à WhatsApp gratuit, tu vas, tout est gratuit. Mais qui appelle son frère? Église aujourd'hui, beaucoup d'absence. Qui va prendre son téléphone quand arrivé à sa maison et dire que j'avais appelé tel parce que je ne l'ai pas vu à l'église? Qui? Là, j'ai dit même très loin. Qui? Le 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui, on est le 4 décembre, a pris son téléphone pour appeler son pasteur? Qui? Moins de 10 personnes. De prendre même son téléphone pour demander même la santé du pasteur. Pasteur, je t'ai appelé seulement pour demander si ça va. Où est la communion dans l'église? Où est la place du Saint-Esprit? Et quand nous vivons en communion,
C'est alors que nous allons vivre en communion et à unité avec Jésus. Parce que Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. Si tu vis à l'unité avec Jésus, si tu vis avec le Christ, si le Christ vit en toi, tu es devenu une nouvelle créature. Parce que le Saint-Esprit est sur moi, parce que Jésus habite en moi, c'est alors que tu vas arriver à la septième marche qui était la prière. C'est alors que tu vas prier. Beaucoup de gens se précipitent à prier. C'est pourquoi nous disons que nous demandons et nous ne recevons pas. Jésus dit que parce que vous demandez très mal. Tu es dans quel niveau pour demander à Dieu? Pourquoi tu demandes à Dieu? Quel Dieu que tu pries? Tu as des ennemis dans ta famille. Tu as des personnes dans ton quartier là où tu habites. Il y a des personnes. Jésus dit même avant de venir donner ta dîme et ton offrande, si tu as quelque chose avec ton frère, rentre premièrement réconcilié avec ton frère. Moi je donne ma dîme, moi je donne mon offrande, mais comment je ne vois pas la main de Dieu? Mais de quelle manière que tu donnes ton offrande? Tu penses que Jésus a besoin seulement besoin de ton argent? Parce que je donne 100 euros, je donne 200 euros par mois, je donne 500 euros par mois. Mais de quelle manière que nous donnons? Tu viens donner ton offrande, mais regardez à l'église à côté de toi. Combien de personnes que tu ne salues pas? Combien? Je vais te dire aujourd'hui ton premier ennemi. Tu connais ton premier ennemi? Qui est ton premier ennemi? C'est toi-même. Prends un miroir dans ta maison. Mets le miroir devant toi. Et regarde devant ce miroir. Si tu tapes, qu'est-ce que fait le miroir? Tu tapes aussi. Si tu parles, qu'est-ce que fait le miroir? Il te parle. La même chose. Voilà ton premier ennemi. Si tu piétines, lui aussi, lui, tu piétines. Tout ce que toi tu fais, le miroir aussi te reflète la même chose. Pour te dire, je suis ton pire ennemi. Alléluia. Quand tu arrives à la septième marche pour prier, il faut savoir prier. On a vu dans la prière, mais la prière, il y a plusieurs sortes de prières. Et dans la prière, il y a des positions. Dans la prière, il faut savoir aussi des positions de prière. Tu veux demander pardon à Dieu. Quelle position tu dois prendre? Alléluia. Tu veux adorer Dieu. Quelle attitude? La prière, la position et l'attitude. Quelqu'un qui vient à l'église et qui prie. J'ai des problèmes avec le chewing-gum dans la bouche. Seigneur, majeur. Quel Dieu que tu pries? Quelqu'un il prie même, on dit, mettez-vous debout, les mains en poche. Seigneur, je t'adore. Parce que toi, quelle attitude! On adore Dieu à se prosternant. Il faut se prosterner. Prosterner, ça veut dire s'incliner la tête contre la terre. Il y a des positions dans la prière. Tu ne parles pas. Tu n'écris pas. Mais la position que tu prends seulement, tu montres seulement à Dieu que je suis rien devant toi. Je suis poussière et je retournerai poussière. Regardez Ézéchias. La Bible dit qu'Ézéchias s'est tourné contre le mur pour montrer à Dieu que je ne suis pas digne de te regarder. Dieu a dit à Isaïe, regarde, ce n'était pas la prière d'Ézéchias qui a touché le cœur de Dieu, mais l'attitude qu'Ézéchias avait. L'attitude de David devant Dieu, dont Dieu a dit à Nathan, regarde comment mon serviteur David s'est humilié. La position d'humiliation dans la prière. Regarde comment mon serviteur s'est humilié.
David ne s'est dormi un roi. Il s'est dormi par terre. Il n'a pas regardé de l'or, les diamants qui étaient sur son corps. Mais il s'est jeté par terre pour dire que Seigneur, je suis poussière. Dieu dit, regarde, l'homme selon mon cœur, les hommes que je cherche dans l'église. Je n'ai jamais vu, j'ai vu l'adoration aujourd'hui, il y avait une bonne adoration. La plupart nous sommes venus en retard parce que nous fuyons l'intercession, nous fuyons l'adoration. Je suis à Tomblant, je vais adorer mon Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un regarder, ah, je vais dormir par terre pour mon Dieu. Je ne regarde pas comment je me suis habillé, mais je sais, le Dieu que je viens prier est un Dieu tout puissant. Il est le plus grand de tous les grands. Il est le plus fort de tous les forts. Je vais être son marchepied. Là où il est assis sur son trône, moi je dors devant lui. Et il pose ses pieds sur moi. Il me piétine. Cherchez des attitudes dans la prière, bien-aimé. Alléluia. Et c'est alors que cet homme-là, qui se prosterne, qui s'humilie devant Dieu, c'est cet homme-là qui va entrer dans l'amour de Dieu. C'est cet homme-là qui veut vivre l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, on avait vu quelqu'un, c'est lui qui est dans l'amour de Dieu. C'est lui qui est couvert dans l'amour de Dieu. Il ne manque rien. Tu n'as pas le temps de prier. Parce que moi, je vis dans l'amour de Dieu. Je n'ai pas le temps de chercher des choses. Parce que Dieu me voit tous les jours. Je suis sur son pied. Avant de se mettre debout, Dieu me voit. Avant de se déplacer, Dieu me voit. Je suis sous sa protection. Je marche avec Dieu. Je vis dans sa présence. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 9e marche, qui est le temps de la délivrance. Prenons Jean chapitre 8, 32 à 36. Le temps de la délivrance est arrivé. La 9e marche. Toi, tu veux être délivré. Tu n'es pas encore repenti. Tu cherches la délivrance. Tu n'es pas baptisé. Tu cherches la délivrance. Tu ne crains pas Dieu. Tu cherches la délivrance. Tu ne vis pas la communion avec les autres. Tu cherches la délivrance. Tu ne vis pas la communion spirituelle avec Jésus. Tu cherches la délivrance. Tu ne pries pas. Tu cherches la délivrance. Tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Comment tu veux avoir la délivrance? Comment? On ne cherche pas la délivrance seulement comme ça. Mais il faut monter. La délivrance, ça se prépare. Il faut préparer sa délivrance. Jean 8, 32, 36. Monica Lille. Je lis la parole de Dieu. Jean 8, chapitre 32 à 36. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Il lui répondra, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais l'esclave de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, je vous l'ai dit. L'air répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Dans la maison, le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le verset 37. 36 et jusqu'à 36. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Et si le Fils vous est réellement affranchi, vous serez réellement libre.
Parce que Jésus dit qu'un esclave ne vit pas dans la maison, mais un esclave vit à dehors de la maison. Mais le fils de la maison vit dans la maison. Bien aimé, si tu es encore esclave, comment tu veux vivre dans l'amour de Dieu? Parce que toi, tu es encore esclave. Comment tu veux vivre dans la maison de Dieu? Parce que tu es encore esclave. Un esclave vit dehors, loin du maître, loin de la palais et du palais du roi. Voilà un esclave sa place. Mais les fils et les filles vivent avec le père, mangent avec le père. Quand le père mange, il demande, est-ce que mes enfants sont déjà mangés? Maman répond, oui. Voilà un beau père. Avant de manger, nos papas à Kinshasa, ils nous ont fait des problèmes. Ils vont au travail, ils achètent les malewa, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Quand ils rentrent à la maison, ils font semblant comme ils n'ont pas mangé. Les enfants pleurent, papa, on n'a pas mangé. Vous ne croyez pas que moi aussi, je n'ai pas mangé? Or que là-bas, il est déjà passé dans des restaurants. Et à la fin du mois, il y a des mamans de restaurant qui viennent devant la porte. Moi, mon père travaillait au Natra. Je voyais, on habitait quand on était en Banda, quand on était parti en mission. On vivait jusque devant le chantier naval. Et notre maman avait un restaurant. Et tous les gens de Natra venaient manger chez nous. Et quand arrivaient les 30, maman était devant la porte avec son cahier. Il attendait chacun. Et que ce papa-là, quand il voyait, dès qu'il prend, les autres sautaient les murs pour ne pas payer. Alléluia. Donc voilà un papa comme ça. Il mange, et les autres, ils touchent 100 dollars. Ils payent déjà les dettes de 60 dollars. Il reste 40 dollars. Quand il vient à la maison, la femme, où est le salaire? Oh, j'ai que 40 dollars. Où est le portier? Oh, on m'a volé. On t'a volé. Ok, papa, chaque matin, il prend du café, il prend du pain, il prend de tout à manger. Non. Un beau père, quand il vient à la maison, si ses enfants n'ont pas encore mangé, il ne mange pas. Alléluia. Et puis je vais vous dire, les papas, où sont les papas? Les papas, levez les doigts. Un papa, quand il mange, il ne finit jamais sa nourriture. Il faut toujours laisser. Alléluia. Ça, c'est très important. Un papa, le futur papa, vous m'écoutez. Quand vous mangez, ne terminez jamais la nourriture, il faut laisser. Parce que tu sais que les enfants vont passer après. Alléluia. Vous savez, les enfants aiment toujours la chambre des parents. Les enfants aiment toujours ce que les parents mangent. Les enfants sont curieux. Tu peux donner la même nourriture que vous avez préparé, les enfants manger, et ce que les papas mangent, les enfants trouvent toujours c'est différent. Alléluia. C'était comme ça. Moi, je voyais notre maman quand il préparait l'assiette de notre papa. Ah, c'était toujours joli. Et on passait, mais qu'est-ce qu'il voyait? Mais c'est toujours, ça fait les mêmes casseroles. On a mangé nous tous. Mais la façon dont on regardait, quand papa il mangeait, nous tous, nous étions là, on regardait la télé et on attendait, on faisait semblant de dormir. Et on regardait. Dès que papa s'est déplacé, aujourd'hui c'est moi, on faisait le tour. Hein. Aujourd'hui c'est ton tour, demain c'est ton tour. Voilà un enfant qui est libre dans la maison de son père. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de la délivrance, bien-aimé, pour entrer dans la maison de notre Dieu. Pour vivre dans la maison de notre Dieu. Jésus dit que si vous serez réellement affranchi, vous serez totalement libre. Le verbe affranchir en français veut dire seulement rendre libre. Être indépendant. Pourquoi tu n'es pas indépendant? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui contrôlent ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui te surveillent. Toi, tu ne sais rien. Mais il y a des gens qui te voient. Il y a des gens qui te guettent. Qui te suivent partout. Le temps de la délivrance. Bien aimé, la délivrance, ça se prépare. La délivrance. Tu ne peux pas venir comme ça, tu dis que je vais être délivré. C'est à toi de faire les pas dans la délivrance. Alléluia. Je vais vous parler d'un homme dans la Bible
appelé Bartimée, fils de Timée. Cet homme était aveugle, mais non aveugle né. Bartimée n'était pas aveugle né. Bartimée voyait. Bartimée était comme toi et moi. Mais un jour, Bartimée a perdu la vue. Bartimée ne voyait plus. C'est comme aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens qui perdent aussi la vie. Beaucoup de gens, à cause des lumières, des choses, faites attention à la maison, les gens qui dorment avec des télés, les gens qui dorment avec des ordinateurs, même les enfants dorment avec des portables aujourd'hui. Un enfant qui dort, même des portables, toujours. C'est attention pour la vie. Alléluia. Bartimée a perdu la vie. Bartimée ne voyait plus. Alors, cette perte de vue a amené Bartimée à vivre dans la rue. A amené Bartimée de devenir mendiant. A amené Bartimée de devenir pauvre. A amené Bartimée de devenir célibataire de vie. A amené Bartimée d'être isolé de tout le monde. Parce que la Bible dit que Bartimée vivait au cours de la rue. Alléluia. Regardez un peu la vie de cet homme. La perte de vue de Bartimée, c'était une maladie. Tu peux avoir aujourd'hui ce qu'on appelle les cataractes, je ne sais pas. Et tu ne vois plus. C'est une maladie. Mais parce que toi, tu ne vois pas, quelle entreprise peut t'embaucher? Bartimée ne pouvait pas travailler. Parce que cette maladie a amené Bartimée à un handicap physique. Bartimée est devenu handicapé physique. Malvoyant. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ici en Europe, on voit qu'il y a du travail pour des malvoyants, il y a du travail pour tout le monde. Mais prenons à l'époque, comme chez nous en Afrique, dans mon pays, si tu es aveugle, qui peut t'embaucher? Tu vas faire quoi? Même ta famille même va te jeter, te rejeter. Ta propre mère même va te rejeter, mais qu'est-ce que je veux faire avec un enfant comme ça? Les temps de la délivrance est venu. Bartimée cherchait les temps de sa délivrance à cause de sa maladie. Voilà pourquoi il est venu chercher la délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de malades dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre vie. Des choses qui sont anormales. Maintenant, je suis arrivé au temps de la délivrance. Parce que je me suis repenti. Parce que je suis baptisé. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et je crains Dieu. Et que je marche et je vis dans l'église. Je vis en communion. Et je suis dans l'amour de Dieu. Et je prie tous les jours. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Mais bien aimé, c'est lui qui cherche la délivrance. Et c'est lui qui est à la 9e marche de l'échelle de Jacob. Toi, tu es encore dans le péché. Toi, tu vis encore dans la fornication. Toi, tu vis encore dans les saletés, dans les vols, dans les mensonges. Tu veux tu cherches la délivrance. Tu cherches la main de Dieu. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Commencez par se repentir avant que la délivrance vienne à ta vie. Bartimée a entendu parler de Jésus. Bartimée a entendu parler ce que Jésus faisait. Oh, l'homme de Galilée, il ouvre les yeux aux aveugles. Il fait marcher les paralytiques. Il ouvre les yeux aux sourds. Il ressuscite les morts. Toi aussi, bien-aimé. Le dimanche, on nous a parlé ici. Tout ce qui était mort dans ta vie sera ressuscité. Parce que la puissance de la résurrection était descendue le dimanche. Pour ressusciter toutes choses dans ta vie. Mais oh, que tu es aveugle. Tu es comme Bartimée, malvoyant. Comment tu veux voir la résurrection? Quand Jésus a ressuscité Lazare était encore lié, bandé avec
Jésus pouvait laisser Lazare comme ça. Parce que Lazare était déjà en vie. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Jésus pourrait dire que ma mission est finie. Jésus pouvait dire que bon, j'ai fait ce que je pouvais faire. Lazare qui était mort, Lazare était en vie. Mais Jésus a dit, déliez-les. Parce que quelqu'un qui vit avec les bandes dans les yeux, quelqu'un qui vit avec les bandes dans les mains, sur ses pieds, comment tu peux vivre? Celui qui vit, celui qui a envie et celui qui voit. Bartimée qui a bandé ses yeux. Jésus a dit, enlève ses bandes pour que Bartimée voit. Et c'est alors que Bartimée a vu Jésus. Bartimée a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Bartimée était là. Cette maladie l'a amené dans la souffrance. Bien aimé, une seule chose dans ta vie peut entraîner beaucoup de choses dans ta vie. Une seule prison. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans des prisons sataniques et spirituelles. Et vous trouvez ça, c'est normal. Non, bien aimé, le temps de la délivrance est venu. Le temps que tu cherches ta délivrance. Bien aimé, n'attends pas que quelqu'un t'appelle pour ta délivrance. C'est à toi de te mettre debout et de dire que c'est fini. Je vais chercher ma délivrance. Bartimée, il était malade. À cause de sa maladie, a amené Bartimée une prison. De la maladie, a amené Bartimée dans plusieurs prisons. Bartimée était pauvre parce qu'il ne pouvait pas travailler. Sa finance était aussi dans la prison. Quelqu'un qui ne travaille pas, comment il va gagner de l'argent? Il avait des capacités. C'était un homme fort. Il pouvait aller travailler. Mais comme il ne voyait pas, il ne pouvait pas travailler. Comme Bartimée ne travaillait pas, il était pauvre. Bartimée ne pouvait pas aussi se marier. Tu ne vois pas. Tu es pauvre. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de travail. Tu n'as rien. Quelle femme peut t'aimer? Son mariage aussi était dans la prison. Quand son mariage était dans la prison, Bartimée ne pouvait pas aussi avoir des enfants. Une seule prison de Bartimée. Le problème de Bartimée, c'était seulement la perte de vue. Mais cette perte de vue a amené Bartimée dans plusieurs choses mauvaises. Peut-être que c'est toi ta vie. Peut-être que c'est la vie de quelqu'un ce matin qui m'écoute. Peut-être que toi tu es là derrière et tu m'écoutes. Tu as quelque chose qui ne marche pas. Et tu perds ton temps. Mais je vais te dire seulement aujourd'hui, le temps de la délivrance est arrivé. Lève-toi, cherche ta délivrance. Combien des années que tu es dans la vie chrétienne? Combien des années que tu écoutes la parole de Dieu? Combien des années que tu es dans cette église? Mais tu es toujours lié. Tu es toujours lié. Et tu trouves ça normal. Je te dis ce matin, c'est pas normal. Bartimée a perdu la vue. Bartimée était en bonne santé. Comme toi. Mais une maladie qui est venue dans sa vie a troublé toute sa vie. Bartimée a tout perdu. Si Bartimée avait sa maison, il a même vendu sa maison pour aller vivre dans la rue. Pourquoi aller vivre dans la rue? Pour mendier. Bartimée est devenu mendiant. Alléluia. Bartimée est devenu mendiant. Pauvre. En hiver comme ça, Bartimée dort dehors avec un seul manteau pour se couvrir. À demander de l'argent, des pièces. Devant Carrefour, devant Intermarché, il est là. Quand tu sors, il peut dire des pièces.
une petite pierre à manger. Bartimée malade, Bartimée pauvre, Bartimée célibataire, Bartimée n'a pas d'enfant pour l'aider. S'il avait même les enfants ne pouvaient prendre charge de lui. Mais Bartimée n'avait rien. Seul. Seul dans la rue. À cause de cette maladie que tu as, cette maladie t'a mené à l'isolation. Tu es isolé. Tu fuis tout le monde. Tu vis seul. Tu es seul. Tu dis, qui peut m'aider? Qui peut me secourir? Je suis seul. Je suis seul. Mais quand Bartimée a entendu parler de Jésus, Bartimée a dit, le temps de la délivrance est arrivé pour moi. Bartimée a dit, aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Voilà quelqu'un qui cherche la délivrance. Ce n'est pas que Jésus qui était vers Bartimée pour demander à Bartimée, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est Bartimée qui est allé vers Jésus. C'est Bartimée qui a crié. Bien-aimé, SOS au secours. Toi, quelque chose ne va pas dans ta vie. Ta vie est misérable. Ta vie ne marche pas. Tu es dans le chômage. Tu ne te maries pas. Tu as le problème des enfants et tu gardes le silence. Bartimée a dit, aujourd'hui, c'est le jour et le temps de la délivrance. Bartimée a crié. Jésus passait. Oh, Jésus est Dieu, il connaît toutes les choses. Jésus connaissait la situation de Bartimée. Jésus pouvait même s'arrêter devant Bartimée. Mais la Bible dit que Jésus passa. Alléluia. Dans cette année de la visitation, bien-aimé, Jésus est en train de passer à côté de toi. Mais ne laissez pas Jésus passer. Saisis l'occasion. Bartimée a crié, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, arrête-toi de ma vie. Le temps de la délivrance. Voilà quelqu'un qui cherche sa délivrance. Et Jésus s'arrête. Les gens qui étaient là, ils ont commencé à empêcher Bartimée. Toi aussi, arrête. Arrête de crier. Toi, un mendiant, tu dors dans la rue. Tu penses vraiment que Jésus va t'attendre. Tu penses vraiment que Jésus va t'exaucer. Tu penses vraiment que tu auras quelque chose de Dieu. Les gens se moquent de toi. Les gens te critiquent. Mais je vais te dire, bien-aimé, cette année ne va pas terminer comme ça pour toi. Cette année de la visitation ne terminera pas comme ça pour toi. Avant que nous arrivions le 31 décembre, Jésus va t'arrêter dans ta maison. Jésus va t'arrêter sur ton chemin. Jésus va faire quelque chose de ta vie. Parce que toi tu t'es levé. Parce que toi tu as crié à lui. Et il est attentif à la personne qui crie. Et il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Alléluia. Le temps de la délivrance était arrivé pour Bartimée. Un jour, Jésus entrant en Jérusalem, il envoya ses disciples et il dit, allez dans le village qui est devant, vous allez trouver un âne qui est attaché, détachez-le et amenez-le-moi. Cet âne, du matin au soir, il était attaché, lié. Cet âne, il mangeait seulement de longueur de son périmètre. Il ne pouvait pas aller très loin. Il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés. Tu es dans un périmètre que tu ne peux pas avancer. Parce que tu es lié. Tu es lié avec une corde de 2 mètres. Avec cette corde de 2 mètres. Quand tu avances, le 2 mètres, boum, tu t'arrêtes. Ta bénédiction est devant toi. Tu forces pour aller prendre cette bénédiction. Mais il y a une corde sur ton cou de 2 mètres. La personne qui t'a mis cette corde, il faut que tu retournes toujours le point de départ. Cette corde commence ici et s'arrête ici. L'herbe était là devant cette ânesse.
L'homme était là devant cette ânesse. Cette ânesse a mangé toute herbe qui était tout au long de son périmètre. Maintenant, il fallait avancer. Il voit de ses propres yeux. Là-bas, il y a de l'herbe fraîche. Là-bas, il y a la source d'eau. Voici ma bénédiction, il faut aller prendre et manger. Mais le problème, il était attaché. Il était attaché. Oh, nous, dans notre famille, on n'avance pas. Oh, nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Oh, nous, dans notre famille, on n'aura jamais les enfants. Et, qui t'a dit ça? Parce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui t'a attaché. Alléluia. Mais Jésus a dit à ses disciples, allez dans ce village. Vous allez trouver une femme, un homme, un enfant, une famille qui est liée, attachée dans ce village-là, dans cette ville, dans cette église. Il y a quelqu'un qui est attaché dans cette famille. Il y a quelqu'un qui est attaché, détaché là. Détaché la personne. Et si vous la détachez, qu'est-ce qu'il faut faire? Amenez-les-moi. Alléluia. Amenez-les-moi. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Cette année, ça a été affranchi par Jésus-Christ et est devenu libre. Et parce qu'il est devenu libre, la Bible dit que Jésus était monté sur cet anneau. Alléluia. Jésus est assis sur cet anneau. Bien aimé, si tu es encore lié, si tu n'as pas encore eu la délivrance, Jésus ne peut pas monter sur toi. Jésus ne peut pas vivre avec toi. Jésus ne peut pas avancer avec toi. C'est un homme qui était avec Jésus les jours de sa délivrance parce qu'il est devenu libre. Jésus est monté, entrant en Jérusalem. Il y avait des femmes, il y avait des hommes avec des rameaux, avec les femmes mettaient des pains, des super wax, des Hollandais, des métrages, toutes les pains parce qu'ils chantaient pour Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Mais écoutez-moi, bien aimé, une chose. Écoutez-moi, je vais te dire. Ils avaient mis le pain pour qui? Et qui a marché sur ce pain? C'était l'agneau. Alléluia. Ils ont mis le pain pour Jésus. Les femmes mettaient le pain pour que Jésus marche. Mais Jésus a vu une personne qui était attachée. L'agneau qui était attaché, il a délié cet anneau. Et cet anneau est devenu libre. Et cet anneau, il a commencé à marcher sur la gloire de Jésus. C'est lui qui marchait sur le pain. C'est lui qui avançait sur le pain. Les femmes mettaient le pain. Mais ce n'était pas Jésus qui touchait le pain. Mais c'était l'agneau. Bien aimé. Mutu ya kanga yoko lomani yeko okufasoni. Alléluia. Makanisi kero kobongate. Makanisi kero kotika la mwana. Mais je te dis que c'est faux. Les gens qui disent que tu ne réussiras pas, tu ne marieras pas, tu ne travailleras pas, tu créeras, tes projets n'aboutiront pas. Les gens là, ils auront honte. Mais toi, tu entreras dans la gloire de ton Dieu. Voilà pourquoi l'église, nous avons besoin de la délivrance. Cherche ta délivrance. Le temps de la délivrance est venu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne cherchent pas la délivrance. Ils attendent seulement. Dieu sait. Lui-même Jésus connaît. Non. Lève-toi et marche. Lève-toi. Jésus a dit à cette personne malade, prends ton lit et marche. Alléluia. Le temps de la délivrance. Bartimée était malade. Bartimée a cherché sa délivrance. Il a donné toute sa force à criant. Comme cette femme qui avait la perte de sang de 12 ans. Quand Jésus passait, cette femme tremblait.
cette femme qui était dans la foule, il disait, aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Aujourd'hui, si je touche seulement ces vêtements, aujourd'hui, je veux faire quelque chose. Aujourd'hui, je vais aller vers lui. Je ne veux plus rester ici. Cette femme était condamnée de vivre en dehors du camp parce qu'elle avait détecté ça. Pour Israël, c'était une malédiction. Alléluia. Combien de personnes t'ont maudit? Tu es maudit. Ils ont prononcé des malédictions pour toi. Dans ta famille, ils ont prononcé des malédictions pour toi. Il y a des gens, chaque jour, ils te modifient comme des malédictions, des malédictions, des malédictions. Mais je vais te dire, bien aimé, la Bible dit, une malédiction sans cause est nulle sans effet. Cette femme était rejetée. 12 ans dans sa maladie de perte de sang. Parce que la loi condamnait cette femme. La loi condamnait cette femme. Cette femme vivait en dehors de la ville. Cette femme a laissé son mari. Cette femme a laissé ses enfants à cause de sa maladie. On a hospitalisé cette femme. On a mis cette femme quelque part dans une maison enfermée. Pas de visite. On dit à cette femme que tu n'auras pas de visite. Tu es seule malade. Dans cette chambre seule, personne ne viendra te rendre visite. Cette femme était seule, abandonnée. Mais quand il a attendu ce jour-là, le temps de la délivrance, cette femme a dit aujourd'hui, je veux faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Alléluia. Cette femme a créé son propre miracle. Il a dit, si je touche seulement ce vêtement, je serai guéri. Il avait créé son propre miracle à lui seul. Alléluia. Alléluia. Cette femme est venue. Il y avait la foule. Cette femme a profité en train de passer la foule jusqu'à devant Jésus. Et il n'a rien parlé. Il a touché seulement Jésus. Il a touché Jésus. Il a touché Jésus. Quand il a touché Jésus, Jésus s'arrêta. Jésus a dit, mais il se passe quelque chose. Jésus était entouré de 12 disciples. La foule était là. Beaucoup de gens qui étaient là. Mais Jésus demanda, qui m'a touché? Qui? Comme Pierre était toujours le premier à répondre, avec beaucoup de personnes comme ça, tu cherches quelqu'un qui t'a touché. Jésus dit, oui, quelqu'un m'a touché. Il y a beaucoup de gens qui m'ont touché. Mais il y a une personne qui m'a touché. Quand cette personne m'a touché, une force s'est sortie. Une puissance qui s'est sortie. Mais les autres qui m'ont touché, rien n'est passé. Mais une personne qui m'a touché, et cette femme a eu peur. Quand cette femme a entendu, cela, cette femme a eu peur. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Bien aimé, dans le temps de la délivrance, et quand tu cherches ta délivrance, je vais te donner un secret. Touche le cœur de Dieu. Alléluia. Touche le cœur de Dieu. Beaucoup de gens qui cherchent la délivrance, mais ils ne savent pas comment toucher le cœur de Dieu. Cette femme a cherché seulement à toucher le cœur de Jésus. Parce que vous savez, il y a touché et touché. Le premier touché, c'est l'un des sens. Nous avons 5 sens. Lui, odorat, goût, hein? La vue et touché. Toucher, c'est la peau. Il faut que ces sens-là marchent. Si quelqu'un te touche, tu vas sentir que quelqu'un t'a touché. Mais tandis que l'autre est touché, si quelqu'un t'a fait du bien, quelque chose qui te dépasse, il ne t'a pas touché sur la peau, mais il a touché ton cœur. Quand Jésus disait qu'il m'a touché, ce n'était pas le toucher de la peau, mais c'était le toucher intérieur. Cette femme a touché le cœur de Jésus. Jésus dit, qui m'a touché? Dans le temps de la délivrance, cherche à toucher le cœur de Dieu. Et
Est-ce que toi dans ta vie tu as déjà touché le cœur de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie pour toucher Jésus? Quelle action de grâce tu as déjà fait dans ta vie pour toucher Jésus? Quelle offrande tu as déjà donné pour toucher Jésus? Tu penses que tu touches Jésus avec 10 euros? Avec 5 euros? Regardez cette femme prostituée. Les gens qui voulaient la piquer. Mais Jésus a sauvé cette femme. Et un jour, cette femme a pris les parfums. Les grandes, hein? Valets. Les grandes valets, pas des petites valets. Voilà quelqu'un qui cherche à toucher le cœur de Jésus. Il a pris une action de grâce. Une bouteille remplie. Vous savez, à l'époque, des femmes prostituées achetaient des parfums de grande valeur pour attirer les hommes. Mais ce jour-là, cette femme-là, il s'est repenti. Comme je disais, c'était sa première marche. Il a dit, aujourd'hui, la vie de la prostitution, c'est fini. Je vais suivre Jésus. Et il a pris la bouteille. Il est venu avec cela. Répandre sur les pieds de Jésus. Et il a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Les gens qui étaient là, ils disent, oh, regardez, lui, comment il dit qu'il est fils de Dieu. Comment il peut laisser une femme prostituée toucher ses pieds? Jésus a dit, laissez-la faire. Parce que cette femme, ça fait des années que je suis avec vous. Qui a déjà touché mon cœur? Qui a déjà fait quelque chose pour me toucher? Mais cette femme, il a pris son parfum. Il a versé sur mes pieds. Essuyant mes pieds avec ses cheveux. C'est pour cela que je dis et je déclare. Partout dans le monde où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Partout dans le monde, partout que l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme prostituée. Cette femme était prostituée. Cette femme était liée à la prostitution. Mais cette femme, ce jour-là, elle a reçu sa délivrance. Et Jésus a dit, jusqu'à la fin du monde, on parlera de ce que cette femme a fait. Parce que cette femme a touché le cœur de Jésus. Les chrétiens, aujourd'hui, bien-aimés, je t'ai dit qu'il te reste 20 jours. Touche le cœur de Dieu. Tu as besoin de quelque chose. Je ne sais pas ce que tu veux. Quelque chose qui est lié. Parce que la personne qui est liée, la personne qui est fermée, il veut sa libération, il veut être libre. Parce que si tu es fermé, tu ne peux pas travailler. Si tu es lié, tu ne peux pas bouger. Tu veux être libre. Mais pour ta libération, touche seulement le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Touche le cœur de Dieu. Comme cette femme. Touche le cœur de Dieu. On ne touche pas Dieu avec ce que vous dites. On ne touche pas Dieu avec des petites choses. On ne touche pas Dieu avec des miniatures. Tu as tout dépensé. Il te reste des pièces. On me dit que pasteur, tu as changé même des paniers d'offrandes. Des personnes qui auront des pièces auront honte de mettre. Parce que quand tu mets, ça va crier. On va voir des personnes qui donnent des pièces. Hein? Bien aimé, chercher à toucher le cœur de Dieu. Parce que j'ai besoin de quelque chose. Je veux une élévation. Je vais donner aussi une offrande d'élévation. Alléluia. Je veux le mariage. Je vais donner aussi une offrande digne de mon mariage. Je veux la bénédiction. Je vais donner aussi une offrande digne de ma bénédiction. Si ta bénédiction, tu demandes à 10 euros à Dieu, tu vas donner aussi 10 euros. Mais si je veux gagner des millions, il faut que je donne aussi des millions à Dieu. On te mesurera par les mesures dont tu mesures.
Dieu bénit ce moment d'elle. La façon dont tu donnes, c'est la même façon qu'on va te mesurer. Seigneur, donne-moi de l'argent. Dieu t'a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Tu as préparé les mariages, tout ça. Tu as préparé la réussite de ton entreprise et tout ça. Mais en revanche, toi, tu donnes combien à Dieu? Dieu bénit ses mamans élevées. La loi des remises est reprise. Lève-nous, bien-aimés.